Salut à tous, aujourd'hui un flash prono spécial qualification pour l'Euro 2020 et on commence tout de suite avec l'Italie contre la Bosnie. Alors avec 3 victoires en autant de rencontres, l'Italie est vraiment en train de réussir sa reconstruction et elle pourrait bien se voler en tête du groupe à l'issue du match d'aujourd'hui, même si elle sera privée de nombreux cadres. Bon alors pas d'affolement parce que ça devrait quand même être suffisant contre la Bosnie, qui est en difficulté en ce début de campagne puisqu'elle n'a gagné que 4 points en 3 rencontres. Et elle est donc 3ème du groupe. Donc pour nous ce sera une victoire de l'Italie qu'on voit bien gagner et donc prendre le large en tête de ce groupe. On continue avec la Russie contre Chypre. Des Russes qui sont sur le papier supérieurs et qui ont quand même atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde l'année dernière. Au niveau du bilan des 3 derniers matchs, c'est une défaite contre la Belgique, mais 2 victoires, une contre le Kazakhstan et une victoire, comment dire, hyper écrasante contre Saint-Marin, 9-0. On part donc sur une victoire de la Russie qui est logiquement supérieure aux Chypriotes. Des Chypriotes qui ont évolué en Ligue C, mais en tant que plus mauvais troisième, ont été relégués en Ligue D, en Ligue des Nations. Jusqu'au 19 juillet, recevez 10 euros de free bet pour parier sans avoir à débourser un seul centime et c'est sur The Bet que ça se passe. Inscrivez-vous et rentrez le code RDJ10 dans la case code promo. Vous serez crédité à la fin de votre inscription et c'est cumulable avec le bonus de 150 euros. Combi 2-3 matchs aujourd'hui qui reprend nos deux analyses précédentes. La victoire de l'Italie et la victoire de la Russie. Et on ajoute à ça la victoire de la Finlande contre le Liechtenstein pour avoisiner une cote à 2. Alors la Finlande a vraiment fait bonne figure dans la Ligue des Nations puisqu'elle s'est adjugée la première place du groupe 2 de la Ligue C. Et là elle a fait une très très bonne opération samedi en gagnant contre la Bosnie. Par contre du côté du Liechtenstein c'est un petit peu plus compliqué. 3 défaites en 3 matchs, donc victoire d'une Finlande supérieure pour une cote globale du combi à 1,90.